On devient président de l'UNAF parce qu'on est un militant familial. Un militant familial, c'est de se dire que, de toute manière, il faut aider nos familles, il faut reconnaître les familles. Et je pense qu'on ne devient pas seul militant familial. C'est parce qu'autour de soi, on a une équipe où on porte des valeurs familiales. C'est très important pour moi. Et quand on est président de l'UNAF, eh bien, on est président de toutes les associations familiales, quelle que soit leur connotation. Que ce soit des familles laïques, que ce soit des familles catholiques, que ce soit des familles protestantes, que ce soit des familles rurales, des familles... Toutes les familles sont représentées au sein de l'UNAF. Absolument, et ça j'y tiens, on est le président de toutes les associations familiales. On est apolitique, aconfessionnel. Et on est là pour donner avis au pouvoir public. On est là pour représenter les familles et pour défendre les intérêts des familles.